Mesdames, messieurs, bonsoir. Effectué à quai à l'arrêt. Dans le cadre du plan Vigipirate, l'intervention de l'équipe de déminage est obligatoire pour tout bagage abandonné. Abandonné s'en assurez-vous d'avoir toutes vos affaires personnelles. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire jusqu'à la sortie de votre gare d'arrivée. L'équipage Ouigo souhaite une agréable fin de journée voyageurs qui descendent en gare d'Angoulême dans quelques... Ouh là là, mais messieurs, c'est dangereux ce qu'on fait. Non, moi je voudrais bien le revoir. Comment? Je voudrais bien qu'il le refasse. Non, non, ça va aller, pour que de celui derrière. Les jeunes aiment se réunir le soir pour manger ensemble. Taper quelques clopes, comme ils disent. C'est la débandade. Ils aiment manger des glaces pour se rafraîchir, ou des crêpes pour se réchauffer. Des pizzas, des tacos ou encore des kebabs. Fatigue. Des turcs. Pas du tout. C'est pas turc. C'est pas du tout turc. Laisse faire, David. Vous êtes pas d'accord. L'alcool et les humains, ça fait un mauvais mélange. Certain, ouais. Je trouve qu'on devrait jamais laisser certaines personnes boire. Oui, je suis d'accord. Voilà, on dit quoi, my loves? Attendez, je sais pas si vous allez bien, moi. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve. On est samedi matin, je vais me préparer rapidement pour pouvoir aller au rendez-vous. J'ai pas du tout envie d'être en retard. Donc, on va partir d'ici à peu près 1 heure grand maximum, donc je me prépare rapidement et puis on se retrouve sur le chemin. Hey, dernière fois, hein. Dernière fois. Vas-y, rappuie sur 0. Là, on reste calé ici, hein. Seigneur. On descend, quoi. Viens, on descend. Non, 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 viens, on descend, c'est mieux. Léa, si on reste calé ici, hein. Écoute-moi bien, Léa, si on reste calé dans le passeur, là. Non, mais je vais me faire lisser les cheveux, il pleut. C'est pas un truc de ouf. Genre, vraiment. C'est-à-dire qu'il a fait beau tout le temps, et le jour où j'arrive et où je vais me faire lisser les cheveux, il pleut. Toi, tu t'es lâché les cheveux, ma fille. Tu veux pas les attacher? Je te donne l'élastique. Non. Ips. Oui. C'est-à-dire que là, il faudrait couper les ensemble. D'accord. T'inquiète pas. Dès que je vais faire la mise au chien, je vais utiliser les têtes, je vais faire une photo. Comme ça, tu pourras visualiser et voir ce qu'il faut couper. Voilà. Puis c'est toi qui me diras. Notre spécialité, c'est de traiter les cheveux. D'accord. Voilà, de traiter les cheveux. Donc vraiment, si tu le fais, on fait le Silk Press. On te conseillera aussi de couper un peu les pointes. Oui. S'il faut couper. Ok. Voilà. Bah ça c'est elle qui veut pas que couper. Moi je veux pas. Non. Tu sais moi je veux couper les pointes. Moi je veux couper les pointes. Peut-être pas énormément. Mais elle voudrait un carré. Elle veut carrément couper. Tu veux couper un carré. C'est trop. C'est tout lâche. C'est trop. Non, c'est trop. C'est trop. Moi là. Alors on a commencé par faire un shampoing, ça faisait extrêmement longtemps que je ne m'étais pas assise comme ça, que je n'avais pas confié ma tête et je ne fais rien. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi? Ce sentiment de tu ne fais absolument rien. Ce que j'ai beaucoup aimé là, c'est qu'elle a expliqué chacune des étapes, elle a expliqué les produits qu'elle a utilisés, pourquoi elle les a utilisés, leurs effets, leurs résultats. Donc ça franchement, je me suis sentie en confiance. Ma fille, la pauvre photographe, vidéographe de tout ce vlog, n'hésitez surtout pas à lui laisser des commentaires. C'est elle qui a filmé tout du long, pendant tout du long de ce vlog, c'est vraiment elle qui a géré. Donc une fois qu'on a fini le shampoing, on est passé à l'application du masque hydratant avec projection de vapeur pour que le masque puisse bien pénétrer dans les cuticules, dans le cheveu et qu'il puisse bien assouplir et hydrater. Réparer aussi le cheveu. Ce que je trouve magnifique avec nos cheveux, c'est qu'ils sont vraiment versatiles. Quand vous les voyez comme ça, ils ont l'air extrêmement courts. Le shrinkage, à chaque fois je vous dis, le shrinkage est une preuve d'un cheveu en bonne santé. Quand vos cheveux vous paraissent très très courts, une fois qu'ils sont étirés, ils sont beaucoup plus longs. Nos cheveux afro sont vraiment merveilleux. Donc une fois qu'on est passé sur la partie coiffage, elle a appliqué bien généreusement le leave-in de chez Tatiana B. Elle a démêlé dans un premier temps avec ses mains, comme vous pouvez voir, pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros nœuds, avant de prendre la Denman et de démêler les longueurs. Donc elle commence bien des pointes et elle remonte vers les racines. Les cheveux sont hyper malléables, les gars. Ça se les mettre super facilement. C'est vraiment très souple en fait. Après le masque, ils se démêlent vraiment très facilement, ça se prend beaucoup. Il n'y a pas de difficulté à démêler ou à passer la brosse, donc je pense que le masque est super efficace pour hydrater en profondeur les cheveux. Regardez, ça se démêle super facilement. Incroyable. Qu'on a appliqué, c'est celui-ci qui s'appelle Sauversatile. Et du coup en fait il est extrêmement nourrissant, c'est un soin qui répare et qui revitalise les cheveux, donc ultra hydratant, et en fait c'est pour ça que les cheveux sont vraiment très malléables, mais vraiment impressionnants. Une fois que les cheveux ont été bien démêlés, bien hydratés, on est passé à la partie Silk Press. Alors pour toutes les personnes qui me posent la question, le Silk Press c'est un lissage qui est temporaire. La prochaine fois que vous allez mouiller vos cheveux, vous retrouverez votre nature de cheveux. La particularité chez Tatiana B, c'est qu'ils ne veulent pas dénaturer le cheveu. C'est pas un défrisage, c'est pas un lissage brésilien, c'est juste en fait lisser, étirer vos cheveux avec un soin hydratant qui va hydrater les cheveux en profondeur. Comme vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, les cheveux une fois étirés sont beaucoup plus long. Je m'étais pas rendu compte que mes cheveux avaient dépassé mon BSL et sincèrement, bah c'est ça la beauté du cheveu afro aussi, c'est que de temps en temps, vous pouvez les lisser pour pouvoir voir exactement ce que ça donne. Moi, ça faisait 6 ans que j'avais pas lissé mes cheveux, que je n'avais pas été chez un coiffeur ou quoi que ce soit et là, ça m'a fait du bien parce qu'on a pu profiter aussi de ce moment-là pour couper mes pointes, pour pouvoir repartir sur une bonne base, pour pouvoir commencer ma masterclass, booster la pousse ainsi que le challenge qui va avec. Donc voilà les résultats, une fois qu'on avait tout fini, on a bouclé un petit peu pour donner un petit peu de vie aux cheveux et les cheveux sont beaux, sont brillants, ils sont en bonne santé. Franchement, je suis très fière de mes efforts pendant toutes ces années parce que vraiment, regardez comment les cheveux sont beaux là. Alors, est-ce que je le referai? Très certainement, peut-être à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine pour voir sur un an comment mes cheveux ont évolué. Ce qui est sûr, c'est que ma fille veut faire un Silk Press. Donc, si vous voulez voir l'expérience de ma fille, dites-le moi dans les commentaires. Je me suis dit, j'en prends dans les vieux livres comme ça. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop. Ça fait genre joli. Un congé sabbatique, non? Même. Oh non, ça c'est pas de là. Chacun prend sa route. C'est pas bien. Oh, je te dis. Non, chacun prend sa route. Non, 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 je pouvais pas. Ah non, 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 je pouvais pas. Je t'assure. Bien sûr. Ah, ça c'est clair. Du coup, là, on va où là? Comme tu veux. Je sais que toi, tes endroits, c'est Starbucks. Exact. exactement. Donc, comme il y en a un peu partout. Ok. Comme tu vas aller prendre un petit goûter. Ah, j'aimerais trop. Starbucks? Où est-ce que tu veux Starbucks? Comme vous voulez, moi je m'en... Franchement, moi je peux, moi je m'en fiche. Myrtille, s'il vous plaît. Myrtille à crème potée, non? Comment? Oui. Je t'explique. Et le truc, c'est quoi? C'est que si je suis là-bas. Non, mais ça, c'est normal. Mais si je suis là. Non, c'est pas normal. Ok. Non, regarde, si je suis à côté, je suis juste à côté de toi. Si t'as besoin, bah tu viens me voir. Mais si je quitte la France déjà. Laisse-moi. Non, non, c'est mieux je suis à côté de toi. Non, c'est mieux je suis à côté de toi. Si jamais il y a un problème, maman est pas loin. Mais maman, avec Teams, avec... Non, non, non. Vous exagérez, voilà. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ah. Heureusement, tu m'as rappelé de la matin avant de partir. Oh là là. Maintenant, on est dans mon vlog. Il y en a un normalement dans le coin. Par ici? Oui, il y en a un dans... comment on appelle ça? On s'amuse. Pour aller chez les gens, elle est juste en bas. Tu sais, il y a un bureau de tabac avant d'arriver à Lidl. Il y a un bureau de tabac qui fait long. Oui, c'est Martin Labille. Tu connais pas? Le Lidl qui a sur le boulevard? Oui. Boulevard de Montant? Oui. Non. Un peu avant. Le restaurant était juste délicieux. Non, vraiment, c'était une tuerie. Attends, que je vérifie que je suis pas en train de... Ok. C'était juste une tuerie, le restaurant. Franchement, c'était genre trop bon. Ah, j'ai le ventre blindé. Clairement, je vous mettrai le nom quelque part où vous avez dû voir le nom. Mais en tout cas, c'était extrêmement bon. Là, Dieu merci, il fait pas trop froid. C'est pour ça que j'arrive encore à vlogger à cette heure-ci. Mais sinon, en temps normal, vous savez que quand il fait froid comme ça, même pas moyen. Bon, mon make-up a quand même tenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai protégé mes cheveux parce qu'il a plu. La météo était contre mon progrès, contre mon avancée. Donc j'ai protégé mes cheveux avec deux épaisseurs. Je vous ai montré ça sur Instagram, je crois. Ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez me checker sur Insta. Et du coup, j'ai bien protégé mes cheveux pour pouvoir garder bien mon lissage, etc. C'est pas je lisse mes cheveux et puis il pleut dessus. Non, 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 on n'est pas dans ça. Nous ne sommes pas dans ça. On a fait toute la gare en Parnasse pour trouver le Marks & Spencer et pour tomber sur le dernier paquet de popcorn sweet and salty. C'est le dernier qui reste, un truc de fou. Mais on va tester ça. Et Voilà my love, c'est tout pour ce vlog. S'il t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like, commente et dis-moi si toi aussi tu aimerais un jour tester le lissage ou si tu l'as déjà fait. Moi je vais les garder comme ça pendant 3 semaines avant de les laver à nouveau. Donc si tu veux voir la vidéo du retour à l'afro, dis-le moi dans les commentaires. En attendant ma prochaine vidéo, prends soin de toi. Mouah.